Salut, salut, GDF Trading, j'espère que vous allez bien. Ok, nous voilà enfin pour une nouvelle vidéo. Ici, il s'agira de vous présenter une nouvelle crypto-monnaie, d'accord? Une crypto-monnaie dans laquelle vous pouvez investir en 2021, voilà, pour espérer faire de grands profits dans les années à venir. Donc, sans plus tarder, on se lance. Nous sommes ici sur la chaîne, d'accord? Donc, nous allons vous montrer rapidement comment est-ce que vous pouvez vous abonner à la chaîne GDF Trading, d'accord? Et aussi, comment vous pouvez activer la notification. Donc voilà, vous allez sur votre navigateur, vous allez sur youtube.com. Une fois sur YouTube, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez GDF Trading. D'accord? Vous tapez GDF Trading. Voilà, GDF Trading. Voilà, une fois vous tapez, voilà la chaîne, GDF Trading, vous voyez. Donc ici, ils ont mis s'abonner. D'accord? Donc une fois ici, vous cliquez sur s'abonner. D'accord? Maintenant, vous êtes abonné à la chaîne GDF Trading. Mais vous n'avez pas activé la notification. Et si vous n'activez pas la notification, quand on fera de nouvelles vidéos, vous ne pouvez pas recevoir ça automatiquement. D'accord? C'est pourquoi il faut toujours activer la notification après avoir aimé une chaîne YouTube. Donc, vous voyez, après avoir cliqué sur s'abonner, il y a une petite cloche ici, à côté. Vous cliquez sur la cloche et vous cliquez maintenant sur tout. Donc, une fois cela est fait, c'est fini. Donc, lorsque nous allons publier n'importe quelle vidéo, vous allez le recevoir en notification sur votre téléphone, d'accord? Ou sur votre compte Gmail. Voilà. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris. Donc, aimez tout le monde, que vous aimez la page, d'accord? Aimez la chaîne et abonnez-vous tout en activant la notification. Voilà. Donc, nous allons commencer avec la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle crypto-monnaie. D'accord? Nous sommes sur compteaplica.com. D'accord? Dans la barre de recherche, vous allez taper statut. Statut. Donc voilà, statut. Voilà, on a mis. Une petite erreur. Voilà, statut. Donc, voilà la crypto-monnaie. D'accord? On tient à rappeler également que c'est une crypto-monnaie vraiment très magnifique. D'accord? Voilà. Donc, voilà ici. Le rang également. Vous voyez, par rapport au rang, c'est 100, 114. Donc, pas mal. Et sa valeur encore, elle est encore très loin de 1 dollar. D'accord? Donc, une opportunité pour nous d'investir. D'accord? Statut, d'accord? Statut, c'est un token qui est basé sur la blockchain de l'Ethereum. Donc, vous pouvez le constater déjà ici. D'accord? Donc, ça n'a pas encore sa propre blockchain. D'accord? Mais néanmoins, c'est une très bonne. C'est une très bonne. Voilà, un très bon token, hein? Bien sûr. On descend rapidement pour aller voir sa valeur maximale. Donc voilà la valeur maximale. Donc on va un calcul rapide là. Nous allons prendre d'abord sa valeur. On va faire d'abord quelque chose. On va prendre 0,6759. D'accord? Qu'on va diviser par la valeur max et minimale. Et ça ici. D'accord? 0,2060. 29. D'accord? Donc ça fait 112. Donc ceux qui ont eu la chance, d'accord, de commencer avec la crypto-monnaie, c'est-à-dire d'avoir la crypto-monnaie à cette valeur-là, la valeur minimale de la crypto-monnaie, hein, lorsque la valeur de la crypto-monnaie a atteint cette valeur, c'est-à-dire sa valeur maximale, ils ont fait 112 fois le capital. D'accord? Et nous rappelons que c'est une crypto-monnaie qui a connu le jour seulement il y a déjà 3 ans, d'accord? C'est en 2017. Donc vous voyez. Donc, de 2017 à 2021, on suppose, hein, d'accord, rapidement, on peut aller voir une chose au niveau du graphique. Bon, voilà un nouveau élément qui s'ajoute à nos vidéos. Vous voyez, ce pic-là est apparu en 2018. Vous voyez, 4 janvier 2018. Ce pic-là est apparu en 2018, donc de 2017 à 2018. Donc, la valeur maximale, nous l'avons connue en 2018. Donc, on va dire simplement un an, après un an, on a pu faire 112 fois le capital. Vous savez,
C'est comme ça, en fait, que on peut se faire peut-être de l'argent avec les crypto-monnaies par rapport à la montée d'une crypto-monnaie. La crypto-monnaie, ça fait partie, hein, comme on le dit toujours, des sources d'investissement potentielles. D'accord? Donc, en voilà une qui s'ajoute à notre liste. Et ce n'est pas tout. Nous irons rapidement s'imprégner un peu du projet. Et vous allez voir, et c'est ça en réalité. Une crypto-monnaie, c'est d'abord le projet. D'accord? Il faut qu'on soit d'abord sidéré par le projet et qu'on adhère au projet. Et pour bénéficier maintenant, peut-être après, de la montée de la crypto-monnaie. Donc, que la montée de la crypto-monnaie ne nous attire pas en première position. C'est vrai que l'essentiel pour nous, d'accord, c'est de pouvoir faire un profit. On est d'accord. Mais comprenez que le profit, d'accord, est déterminé par le projet que soutient la crypto-monnaie. Si la crypto-monnaie, votre crypto-monnaie n'a pas un bon projet, elle ne prendra pas de la valeur. Effectivement, ça n'aura pas d'impact sur sa valeur. Donc, l'essentiel d'abord, la toute première des choses qu'il faut faire quand on prend une crypto-monnaie, c'est d'abord de s'imprégner de son projet. Quel est le projet que cette crypto-monnaie soutient? Et dans le projet, est-ce qu'il y a de l'innovation? Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle, en 2021, mais est-ce qu'ils ont apporté quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Qu'est-ce qu'ils sont? Ils nous apportent en fait. Ils nous apportent quoi? Parce qu'on a connu plusieurs crypto-monnaies. Mais eux, concrètement, ils nous apportent quoi? C'est ce qui devait nous préoccuper, d'accord? En première position par rapport à une crypto-monnaie. Mais ici, d'accord, nous allons parler, mais je dis simplement que communication privée est sécurisée. Oui, donc c'est une crypto-monnaie qui est dans le domaine de la communication, d'accord? En premier lieu. Donc, ils ont mis statut et une application de messagerie, voilà, sécurisée. Un portefeuille crypté et un navigateur web construit avec une technologie de pointe. Nous avons vu, il y a trois concepts déjà abordés là. Messagerie sécurisée, portefeuille crypté et un navigateur. Donc, en elle seule, d'accord, en cette crypto-monnaie seule, elle a trois fonctionnalités. Donc, à travers cette crypto-monnaie, on peut discuter. Donc, c'est une application comme WhatsApp, par exemple, d'accord, où on peut chatter entre nous. Hein, je suppose, voilà, la communauté GDF Trading, on peut décider peut-être d'utiliser cette application, d'accord, pour discuter entre nous. Et automatiquement, on utilise la même application pour échanger des crypto-monnaies entre nous. C'est magnifique! C'est magnifique! Donc, vous voyez, voilà de l'innovation. Dans un projet, voilà de l'innovation. Et ce n'est pas fini. Comme je le disais, après le message, le système de messagerie, nous avons également le portefeuille qui est là, où on peut stocker, en application même, on peut stocker des crypto-monnaies. Des crypto-monnaies, je dis. Et je veux parler surtout des tokens qui sont basés sur l'Ethereum. D'accord? Et après ça, nous pouvons utiliser encore l'application pour aller sur Internet. C'est un navigateur web 3, web de version 3, d'accord? Construit avec une technologie de pointe. Donc voilà une crypto-monnaie qui s'ajoute à la liste, d'accord, du challenge. Je crois c'est l'avant-dernière crypto-monnaie, d'accord? Donc nous vous remercions beaucoup pour avoir participer au challenge et pour avoir ainsi regardé également cette vidéo. Nous allons nous arrêter là et vous dire de prendre le rendez-vous pour la dernière vidéo où nous allons parler, nous allons rester dans le cas général. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aborder, d'accord, de regarder les autres vidéos, nous allons faire un récapitulatif, d'accord, sur toutes les vidéos, toutes les crypto-monnaies qu'on vous a présentées, d'accord. Et pourquoi pas vous parler d'une dernière crypto-monnaie, parce qu'on a dit 30 crypto-monnaies, d'accord. Nous sommes à 29e crypto-monnaie, donc nous allons revenir pour vous parler de la 20e, de la 30e crypto-monnaie. Merci beaucoup et à tout de suite.